Learn and play. ألعب وأتعلم. هيا بنا. Donc il y a très longtemps, il y avait un peuple de gens qui étaient très, très, très riches. Et ils étaient très, très forts. Et ils étaient très, très grands. Mais ils étaient très méchants. Ils n'adoraient pas Allah. Ils désobéissaient à Allah. Ils faisaient beaucoup de mal autour de eux. Et ils adoraient les statues. Au lieu d'adorer Allah, ils adoraient les statues. Ils ne voulaient pas adorer Allah parce qu'ils ont dit « Nous, nous sommes grands, nous sommes forts » et ils ont construit leur maison dans des pierres qu'ils avaient creusées dans les montagnes. Ils étaient tellement grands qu'ils pouvaient creuser dans les montagnes et faire leur maison dans les montagnes. Et ce peuple-là s'appelait le peuple de Thamoud. Répétez le peuple de Thamoud. 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 Et dans le peuple de Thamoud, il y avait un homme qui était très, très gentil. Il s'appelait Saleh. 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 Alayhi salam. Et Saleh, il aimait beaucoup Allah. Et Saleh, il adorait Allah. Et il adorait pas les statues. Et Allah, il a choisi Saleh pour être un prophète. Donc Saleh, il leur a dit, vous ne devez pas adorer les statues. Mais vous devez dire La ilaha illallah. La ilaha illallah. Saleh, il leur a dit, vous ne devez pas adorer les statues, mais vous devez dire la ilaha illallah. Mais les Thamoud, ils se sont moqués de Saleh et ils l'ont rejeté. Mais Saleh, il les appela et leur disait, jusqu'un jour ils ont dit, bon Saleh, si tu es vraiment un prophète, on va te demander un miracle. Un miracle, c'est quelque chose de très, très, très invraisemblable. Une chose extraordinaire. Une chose que normalement, cela ne se passe pas, sauf si Allah le décide. Ils ont dit, tu vois cette montagne là-bas? Eh bien, on veut que tu sors une naqa. Répétez, naqa. Une naqa, c'est quoi? C'est une chamelle. La maman du chameau. Du chameau. Est-ce qu'une chamelle, elle peut sortir d'une montagne? Non. Ils ont dit, si tu veux qu'on croie en toi, eh bien, fais sortir de cette montagne une chamelle. Mais Allah, il fait ce qu'il veut. Allah, il fait ce qu'il veut. Et Allah, il a fait sortir de la montagne une chamelle. Allah, Azza wa Jal, il a fait sortir de la montagne une chamelle. Avec son petit. Et la chamelle, elle avait accompagné, elle était accompagnée de son petit, de son petit, de son fils. Et lorsqu'ils ont vu ce miracle, certains ils ont cru en Allah, mais d'autres ils ont continué dans leur orgueil et ils n'ont pas cru en Allah. Donc la chamelle, elle est sortie avec un bébé dans son ventre et ensuite, quelques jours après, quelques temps après, elle a mis bas, c'est-à-dire qu'elle a accouché de son bébé. Ensuite, la chamelle, elle avait soif. Donc, elle est partie boire à la rivière. Et Saleh, il lui a dit, vous laissez un jour boire la chamelle et un autre jour, c'est vos bêtes et vous qui pouvez boire du fleuve. Mais il leur a dit, attention à ne jamais faire du mal à la chamelle. Mais il y avait un homme très méchant. Très, très méchant.
Il a attendu que la chamelle aille boire dans le fleuve. Et il a pris une flèche et il l'a tué. Et il a tué le méchant. Et le petit, il a eu tellement peur qu'il s'est sauvé. Et lorsqu'ils ont tué la chamelle, au lieu d'avoir honte, ils se sont moqués de Saleh. Et ils ont rigolé. Et ils ont dit, si Allah il doit nous punir, ben dis-lui qu'il nous punit tout de suite. Et là, Saleh, il leur a dit, mais je vous ai prévenu. Je vous ai dit qu'Allah Azza wa Jal, il vous a ordonné de ne pas faire du mal à la chamelle et vous l'avez fait. Et vous allez voir qu'Allah ne ment pas et Allah dit toujours la vérité. Et Saleh, il savait que le châtiment d'Allah allait arriver. Il savait qu'Allah Azza wa Jal, il allait punir les méchants. Il allait punir ceux qui lui ont désobéi. Et Saleh, il a quitté la ville. Parce qu'il savait qu'Allah allait envoyer son châtiment. Sa punition. Et les gens, ils ont entendu un bruit énorme. Car Allah Azza wa Jal, vous savez ce qu'il leur a envoyé comme punition? Allah Azza wa Jal, il leur a envoyé un bruit très très fort qui vient du ciel, tellement fort que la terre elle a tremblé. Et Allah, il a puni et détruit, exterminé tous les Thamoud, tous les méchants, et il ne resta que Saleh et les musulmans qui étaient avec lui. Est-ce que vous aimez Saleh? Est-ce que vous aimez la Naqa? Est-ce que vous aimez les Thamoud? Non. Est-ce que vous aimez celui qui a tué la Naqa? Non. Est-ce que vous aimez Allah? Oui. Donc on dit La ilaha illallah. Muhammadun Rasulullah.